Bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes le 9 novembre à 16h15. Bon, puisque là je viens d'augmenter le talent d'Hazard de Marconia jusqu'au max, ben je vais m'amuser un petit peu à jouer au combat à échelon. Ok, puis observez-moi bien parce que genre lors des prochains jours, ok, je vais sûrement jongler un peu là. Parce que genre j'ai vu à quelques reprises Alpha Clément jouer les gars de Sierra Nocif sur les combats sur le combat à échelon de Giratina qui était la semaine passée et l'autre semaine d'avant. Et aussi lors des dernières compétitions qu'il y a eu avant Mega Chaperdo, dont Mega Branette. Il utilise beaucoup ce Pokémon-là, puis il a l'air d'être très fort. Fait qu'il est fort possible qu'entre-temps, j'essaie d'aller jusqu'au niveau 420 au lieu de 400. Parce que genre, moi je pense qu'il va être fort utile pour diverses situations. Fait que, pour commencer, je vais aller capturer Meloetta, puis ensuite, je vais continuer à les niveaux normaux jusqu'à 420. En ce moment, je suis rendu au niveau 383. Là, ici, je vais jouer un petit peu les combats à échelon, jusqu'à temps que j'attrape Meloetta, qui est de petite normale petit, de petit pour ce jeu-là. Et quand il est sur mon attaque, je pense que ça s'appelle Chandance, à ce que j'ai pu voir. Elle peut changer de forme pour le type combat. Type normal combat. Et sous sa forme danse. Ici, sous sa forme chant. En anglais, c'est genre Area Form. Puis je vais faire toute la chronologie avec vous jusqu'au niveau à l'échelon 200. Ça a l'air que ça s'arrête jusqu'à là. À ce que j'ai pu voir sur le site internet que Alpha Clément m'a référé. Voici la formation que j'ai utilisée pour le moment. Bon, maintenant, commençons avec les 5 premiers échelons. On voit à quoi ça ressemble. Pour l'instant, il va faire rien pendant 3 tours. Ok, c'est des blocs cassables. Pour commencer, c'est pas pire. Pour Orbe. Le jeune insecte. Et voici, c'est fini. Appelle une 3800 là. Pour commencer. Pour le nombre d'HP. Oh. Ok, je finis avec une fois combo. Bon. Maintenant, on va commencer la chose de capture de Meloetta. 1% à chaque fois qu'on augmente d'un échelon. 1 plus 1 plus 1. À chaque fois. Salut mon ami. Oui, bien évidemment. Ça marche pas. Puis je peux attendre pour aller accumuler d'autres pièces pour mettre à gogo samedi. Fait que c'est ça, je vais vraiment jouer un peu partout là. Parce que je pense que Mega Cyranocide pourra peut-être me tirer d'affaire. Pour éviter que je dépense beaucoup de pièces dans les combats à échelon.
Bon, mais là, est à échelon 2. 2%. Ah. Bon, dans le fond, c'est régulier. On va voir si ça va marcher à l'échelon 3. Environ 4400 là pour les 103. Eh bien. Bon, 3% maintenant. Vais-je capturer Meloetta? Allons voir ça. Oh! Presque là cette fois-ci. Presque, presque. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il faudrait juste le clic pour confirmer la capture de Meloetta. Bon, oui, échelon 4. Je poursuis. Pour l'instant, pas de bruit incassant, pas de problème là-dessus. PV, excusez, HP. Bon. Ok, maintenant l'échelon 4 pour Meloetta. 4%. Est-ce que la chance sera avec moi? Oh non, pas encore. Presque, encore presque, presque, ça s'en vient, bientôt, la case de Meloetta s'en vient, allez, courage, il reste plus grand temps, ok, attends, t'as s'énerve pas, c'est déjà, bon, ok, échelon 5, let's go, pour une expérience, ça va sûrement changer, les entraves, pour l'instant, elle fait rien, un beau petit 900. Commencer. Ok, 450. Pour ordre de Genesec. Oh oh! Oh oh! Ça c'est bien, ça c'est bien ça. Et chaud d'avant. C'est fini. Et voilà, c'est terminé. Satan est rendu avec 5% avec Meloetta. Est-ce que cette fois-ci, je vais capturer ce Pokémon? Allons voir. À 5%, ça serait vraiment exceptionnel. Ah oui, let's go. Il manque juste le clic, s'il te plaît. Le petit clic chanceux. J'aimerais ça l'avoir. Mais je l'ai pas!
Et voilà, on finit avec une expérience. Oh, c'est un super expérience. Oups, je me suis trompé. Oh boy, c'est encore mieux. Un petit 200 d'expérience de plus à donner à l'un de mes Pokémon. À date, elle s'énerve pas en tout. On est rendu à l'échelon 6. Bon, ok, ça va être tout pour le moment. S'il y a d'autres entraves que lance de Malaita par rapport au départ, ben je vais le montrer ça.